Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une émission Nos mémoires. Naissance de l'écriture et naissance de l'imprimerie, voilà deux événements fondateurs de l'histoire du monde et surtout de l'histoire de l'Occident. L'un commence l'histoire avec un grand H, l'autre signe le début d'une époque que l'on nomme Renaissance. L'histoire de ces événements, que l'on réduit souvent d'ailleurs à un point dans une frise chronologique, est simplifiée. Mais ils servent avant tout de repères. Ils prêtent à l'histoire des repères pour nous permettre de visualiser sur la frise du monde, la frise de l'histoire du monde, où nous en sommes, où en sont les grandes ruptures, les grands changements, les grandes évolutions. Peu importe donc la schématisation de ces événements, ils en disent long sur l'importance de l'écrit, l'impact du livre sur les destinées humaines. Je reçois aujourd'hui l'historien Frédéric Barbier qui s'est penché sur l'histoire du livre en Occident. Bonjour Frédéric Barbier. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez plusieurs casquettes, vous êtes ancien élève de l'école des chartes, docteur en lettres et directeur de recherche honoraire au CNRS, pour ne citer que quelques-uns de vos titres. Je vais vous poser une première question, toute simple, que vous développez dans votre introduction. Qu'est-ce qu'un livre ? Qu'est-ce qu'un livre ? Bon, tous ces mots qui désignent des objets quotidiens, courants, quelconques, qui semblent ne pas poser de problème, sont en général souvent très difficiles à définir. Donc, le livre, pour l'historien du livre, c'est un objet constitué d'un certain type de support et qui prendra des formes qui peuvent être très différentes, c'est-à-dire que sous l'appellation de livre, nous désignerons aussi bien des livres que ce qu'on appelle en l'histoire du livre en bibliographie des pièces, c'est-à-dire de toutes petites choses, des brochures, des plaquettes, des choses comme ça, ou même des périodiques, des journaux, des périodiques imprimés. C'est tout ce qui est imprimé, je m'occupe plutôt du livre imprimé, et qui est destiné à une certaine forme de publicité, à une certaine diffusion. Donc la particularité du livre serait le fait que l'écrit en question soit destiné à être diffusé. Oui, le livre, en principe, je sais pas, on a des exemples qui vous prouveraient le contraire, mais en principe, d'une manière très générale, c'est destiné à être diffusé dans un certain cercle. Les tirages ont varié évidemment au cours des âges, mais même la 1455, 54, 55, 56, les tirages, par exemple, de la Bible sont de l'ordre de 200 exemplaires. Aujourd'hui, chez un éditeur scientifique, quand vous tirez à 2000 exemplaires, on considère que c'est beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une grande période qui sépare le début de l'écriture, si on peut la dater, et le premier livre ? C'est très difficile. D'abord, le début de l'écriture, on est en dehors de ma spécialisation, c'est-à-dire que ça se passe des millénaires avant notre ère, avant le Christ. Les trois ou quatre grandes géographies, c'est l'écriture mésopotamienne. La première, c'est l'Égypte, bien sûr, la Mésopotamie, la Chine, et puis l'Amérique précolombienne. Mais quand on considère il faut considérer, si on veut parler un peu rapidement des deux choses qui sont relativement connues, le livre a changé très profondément de forme. Jusqu'à l'époque grecque, à la bibliothèque d'Alexandrie, et à l'époque romaine, jusqu'au 3e, 4e siècle de notre ère, le livre est ce qu'on appelle un volumen, c'est-à-dire un rouleau. Le livre relié, qu'on appelle entre spécialistes, le livre encaillé, le livre avec des feuillets pliés, reliés sous une couverture, etc., qu'on appelle le codex, se répand en Occident à partir du 4e siècle. Donc, ce qui est très frappant dans ces phénomènes-là, jusqu'à une époque relativement récente, c'est la lenteur de diffusion d'un certain type de phénomène. C'est le fait que des possibilités qui apparaissent avec l'imprimerie, par exemple, vers 1450, sont exploitées deux ou trois générations plus tard.
Le premier livre, donc, ce sera le 4e siècle en Occident. Les premiers codex. Et de quoi parlent-ils, ces codex? Oh, d'une manière générale, si on veut encore une fois simplifier de manière peut-être abusive, ce qui est sur des volumina, sur des volumens, sur des rouleaux, ce sont les textes de l'Antiquité. Si le codex se répand, c'est aussi parallèlement à l'expansion d'une nouvelle religion qui est le christianisme. Et le christianisme utilise plus systématiquement des livres en cahier que des livres en rouleau, pour toutes sortes de raisons. Et mais quelles sont ces raisons? Ça interpelle de qu'une religion... La première religion, raison, c'est que les rouleaux sont faits en papyrus. Et que quand on est en Occident, on n'a pas de papyrus sous la main, sauf en Sicile ou en Espagne méridionale. Donc, le support usuel, c'est le parchemin. Et à ce moment-là, les conditions sont complètement différentes, les conditions de travail sont pas les mêmes et les conditions d'utilisation sont pas les mêmes. Par exemple, sur un rouleau, vous n'écrivez que d'un côté. Dans un codex, vous écrivez des deux côtés du feuillet. Ça revient évidemment bien moins cher. Et les conditions d'utilisation ne sont pas les mêmes, puisque le rouleau, vous ne pouvez pas le feuilleter par définition. Le codex, le livre en cahier, vous pouvez le feuilleter, vous pouvez le tenir ouvert, vous pouvez revenir en arrière commodément, etc. Dans mon livre, je cite un exemple d'un consul romain qui s'est tué en manipulant avec un rouleau parce qu'il voulait pas le lâcher, parce que c'est pas commode de dérouler et d'enrouler, chercher un texte. Il y a des rouleaux qui pèsent plusieurs kilos, qui sont extrêmement lourds. Et le consul est tombé, s'est cassé la cuisse ou la jambe, et il est mort peu après parce que ça, dans les conditions où ça s'est fait, ça a dû s'infecter, il est mort. Le livre tue, donc. Ah oui, mais je pourrais vous montrer des images, c'est tout à fait mis en scène. La bibliothèque qui s'écroule sur le lecteur. Est-ce que le livre est un objet de prestige? On imagine ça surtout pour le Moyen-Âge. On imagine les livres enluminés d'une très grande préciosité et d'un prix assez considérable. Est-ce que finalement, tout le monde a déjà lu un livre dans sa vie au début du Moyen-Âge ou c'était vraiment réservé pas. À l'élite? Certainement pas. Il y a un phénomène contre lequel il faut absolument se défendre, c'est l'effet d'optique. C'est-à-dire que on a l'impression que les choses se passent en même temps parce que c'est loin. En réalité, je vous ai dit tout à l'heure, entre l'apparition d'une nouvelle invention comme le livre imprimé et l'exploitation de tout ce que ce livre imprimé permet de faire, il s'écoule des générations. Alors on dit oui, des générations, mais en fait une génération c'est 30 ans, trois générations ça fait un siècle, etc. Et finalement, ce sont des délais qui peuvent être très longs. Donc, ce que vous me demandiez, oui, ça prend des délais considérables. Et je veux dire, le début du Moyen-Âge n'a absolument rien à voir. Le 5e siècle n'est certainement pas l'époque carolingienne, et ce n'est pas non plus la période du Moyen-Âge classique, et encore moins du bas Moyen-Âge. Et puis, maintenant que nous faisons plutôt de l'histoire transnationale comparée, eh bien, le Moyen-Âge en France n'est pas dans le Royaume de France, c'est pas celui du Saint-Empire, c'est pas non plus celui de la péninsule italienne, etc. Mais alors, en quelques mots, comment il évolue ce livre? Non, oui, la première des choses, c'est que c'est un objet rare. Il faut bien considérer que pour faire une Bible, vous avez besoin de plusieurs centaines de peaux de moutons. Donc, ça suppose d'avoir des troupeaux de moutons importants, d'en disposer, de pouvoir investir dans ces choses-là. Ce sont des objets rares. Quand on a des prix, on constate que il y a des livres, des manuscrits qui valent des fortunes. Par exemple, ceux qui sont conservés au musée Condé à Chantilly, ce sont des choses absolument, ça vaut réellement des fortunes. Et la deuxième chose, c'est que le livre est très rare, et
D'abord, les trois quarts des gens habitent à la campagne, ce sont des gens, des ruraux. Trois quarts, 80%, ça dépend évidemment des régions. Et ces gens-là, pratiquement, ne sont pas alphabétisés. Et dans les villes avant le 11e ou le 12e siècle, la majorité des gens n'est pas alphabétisée non plus. Par conséquent, la question ne se pose pas. Ça peut durer comme ça jusqu'à la Russie impériale, beaucoup plus tard que ce qu'on peut imaginer. Les manuscrits sont rares et ils circulent relativement. Bon, on dit toujours, on a des exemples de manuscrits qui circulent bien, mais quand on est dans un monastère isolé à l'époque carolingienne, dans l'ensemble, ça ne circule pas. Ce n'est pas un monde extrêmement ouvert. Ce qui nous paraît évident aujourd'hui, qu'on apprend les sciences dans les livres. Les livres, on en voit partout. Oui. Mais autrefois, le livre, c'était un objet de prestige, peut-être plus qu'un objet de science, et que le peuple apprenait par les vitraux des églises, par exemple, où la culture était finalement plus orale. C'est ce que ça prouve, c'est ce que ça explique. En effet, le livre est peut-être un objet de prestige que l'on pourrait appeler les pouvoirs politiques. Donc, même de grands prélats qui sont des personnages de première importance, des évêques, des archevêques, des grands abbés, et puis des princes, des grands féodaux, etc., auront des collections qui sont pas toujours considérables, mais qui sont extrêmement soignées, et qui leur apporte une part de ce qu'on appelle en sociologie la distinction culturelle. Ça détermine un genre de vie, de même qu'ils habitent dans un château, qu'ils ont un certain mode de vie, qu'ils s'habillent d'une certaine manière, etc., etc. Ça, c'est exact. Maintenant, savoir ce qu'il y a dans ces livres, la première des choses à considérer au Moyen-Âge, c'est qu'en Occident tout au moins, la langue écrite, c'est le latin. Et la première littérature, c'est une littérature théologique, religieuse, la Bible, les pères de l'Église, un certain nombre de textes pour la liturgie, etc. Ensuite, c'est la découverte ou la redécouverte ou la permanence, la conservation de la tradition du savoir antique, mais une très grande partie de ce savoir a disparu avec les livres qui le portait, le contenait. Et puis, enfin, ça change fondamentalement à partir du XIe siècle avec les débuts, l'essor d'une nouvelle conjoncture, l'émergence de systèmes de structures d'enseignement et puis la mise en place de structures politiques qui s'appuient sur une forme de rationalité qui suppose que les gens soient formés pour un certain type de travail. Par conséquent, par exemple, les juristes, ou bien dans un autre domaine, les médecins, etc., etc. Les choses changent réellement de manière très fondamentale à partir du moment où la civilisation, disons, le poids des villes devient relativement plus important. Étant entendu que jusqu'à l'époque, de toute manière jusqu'au XVIIIe siècle, la majorité de la population n'est pas en ville. Alors vous parliez des vitraux, etc. Je serais assez réservé. On peut imaginer, ça me pose toujours des problèmes, je n'ai pas une vue d'aigle. Je regarde un vitrail, ça a un fouillis de couleurs, et finalement si je connais pas les choses, je ne les vois pas. Pour identifier ce qui est représenté, il faut le connaître à l'avance. C'est-à-dire, je pense que par exemple, sous le porche de l'église de la basilique Saint-Marc de Venise, il y a les fameuses représentations fameuses mosaïques, et on dit toujours c'est la Bible des pauvres, je pense que c'est faux. Je pense que il fallait être, en tout état de cause, il fallait avoir être en mesure d'identifier ce qui était représenté pour pouvoir l'interpréter. Et que ça, certes, on est moins bien formé du côté de l'histoire sainte, mais malgré tout, c'était pas si courant. Pour vous, et c'est ce que vous venez d'expliquer, et vous le dites très bien dans votre livre, en fait, l'histoire du livre, elle est reliée à une histoire politique, elle s'explique par une histoire politique, une histoire sociale, une histoire culturelle.
Et vous expliquez, vous dites, page 385, il y a une corrélation, je vous cite, entre l'essor de la civilisation de l'écrit et d'une évolution de la modernité assimilée à la recherche de la rationalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, je veux dire que, tout au moins jusqu'à... C'est une question qui, en effet, pose ce problème aujourd'hui, on peut dire. Mais jusqu'au 19e, et peut-être l'apogée, c'est le 18e siècle des Lumières, la construction du savoir s'est faite de plus en plus par la conquête d'une forme de rationalité qui était dégagée au fond des croyances religieuses, quelles qu'elles soient, et une forme de rationalité qui posait, qui est bien mise en évidence quand par l'astronomie, quand on reconstruit le système du monde, que le nouveau système dans lequel la Terre n'est pas au centre, etc., et que les choses tournent, est mis en cause par Rome, et que on répond que et pourtant la Terre tourne, c'est-à-dire oui, vous avez, on est obligé de s'incliner devant la censure et devant la, et pourtant elle tourne, ça ne change rien matériellement. La raison prouvera que la Terre tourne, et jusque à la fin du 18e, il est très frappant de voir que on imagine assez volontiers que on est dans l'avant-dernier âge du monde, c'est-à-dire l'âge de l'homme devient un être universellement raisonnable, et que par conséquent, on va passer maintenant à une autre structure sociopolitique et instituer des systèmes qui seront des systèmes les meilleurs possibles pour le plus grand nombre possible. Il a été assez vite prouvé que c'était un peu de l'utopie. Mais il est très frappant de voir l'idée fondamentale était celle-là. Donc oui, la raison dégager des obligations, des croyances a priori, des croyances supérieures au monde, disons. Le livre, il ramène à la science. C'est un moyen d'accéder à la science. Dans un livre, vous trouvez tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver de. Je veux dire à la rationalité plutôt. C'est un moyen de s'émanciper des croyances. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous m'avez posé la question sur la rationalité. Je pense que la rationalité, telle que je l'ai entendue, elle se définit, elle se construit en dehors des thématiques religieuses. Il est assez. On ne croit pas à la. On construit le raisonnement et on ne le croit pas a priori que c'est comme ceci ou comme cela. Mais quant à savoir si le livre en soi est quelque chose de qui comment dirais-je, va contribuer à la diffusion de cette forme de pensée, on peut discuter. Il est de fait que dans les bibliothèques, à partir du moment où il y a plus de livres, on est obligé de les classer pour les retrouver, pour les localiser, pour les ranger, pour les identifier, pour les retrouver, pour pouvoir les utiliser. Et pour les classer, en général, on les classe systématiquement, c'est-à-dire dans un système organisé des connaissances. Alors, les classes se succèdent. Toujours la première classe, en principe, c'est la théologie. Donc, il y a la Bible, etc. Et puis ensuite, le droit, la jurisprudence, les sciences, les lettres, et les sciences et arts, la littérature, etc. Il y a une construction de toute manière par derrière qui est une construction à visée universelle, c'est-à-dire que en priori dans une grande bibliothèque qui sera présentée dans une salle de bibliothèque avec des rayonnages sur toutes les faces, vous aurez une sorte de condensé, de compendium de du savoir universel, et avec un compendium organisé, c'est-à-dire que classé en fonction d'un certain nombre de critères. Ça ne veut pas dire que vous trouvez tout. D'abord, il faut que la bibliothèque ait les moyens, et ensuite, ce qui est le plus intéressant, c'est que la bibliothèque peut posséder certains livres, mais ne pas les donner à lire. Ce qu'on appelle les enfers, la Bibliothèque nationale, c'était l'enfer. On a des exemples assez caractéristiques de livres, comment dirais-je, que telle maison religieuse possédait vers 1730 ou 40, et qui, dans les catalogues, sont notés, sont
noté, livre très dangereux, livre à ne, enfin, qu'on comprend que ce n'est pas à communauté, à tout un choc. Donc, tout ça, il y a la pensée générale et puis il y a la pratique. C'est pas la même chose. Vous parlez des bibliothèques, Frédéric Barbier. À partir de quand elles existent? La bibliothèque de référence pour les Occidentaux, c'est toujours celle d'Alexandrie. Mais il est vertigineux de penser, vous voyez, quand vous me parliez tout à l'heure des manuscrits médiévaux, des grandes bibliothèques du Moyen-Âge, une très grande bibliothèque, par exemple à la Sorbonne, vous n'atteignez pas 2000 volumes. Ça, c'est considérable, mais enfin c'est hors de proportion avec ce qu'il pouvait y avoir à Alexandrie. On parle de 500 000, peu importe, de toute façon ça se comptait par centaines de milliers. Il est vertigineux de penser que ces choses-là ont disparu pour toutes sortes de raisons. Entre autres, la raison que je vous ai signalée tout à l'heure, à savoir que ces textes étaient pour copier sur des volumes, sur des rouleaux, et à un moment donné, lentement bien sûr, mais enfin on a changé la forme du support, et ça suppose de retranscrire les textes. Et bien entendu, on ne les a pas tous retranscrits. D'abord, il fallait les moyens, et ensuite, on a retranscrit, bien sûr, seulement ceux dont on pensait avoir besoin, et les autres ont disparu. C'est intéressant parce qu'on a des phénomènes analogues aujourd'hui. Pourquoi l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, pour utiliser la phrase classique, mais qui veut dire... Qui propose une vision très simplifiée de la réalité, est-elle une véritable innovation et est un marqueur dans l'histoire de l'Occident, un marqueur chronologique? Ça se passe sur le Rhin, pas loin de Francfort, à Mayence, en 1400, enfin entre Strasbourg et Mayence, mais disons c'est mis au point définitivement à Mayence. Certainement en 1452, l'invention, la chose est faite. Alors, c'est ce qui est frappant, mais... on ne s'en rend pas compte immédiatement. Ce que voulait Gutenberg, c'était fabriquer des manuscrits de manière mécanique, plus vite, moins cher et dans de meilleures conditions, disons, que ce qu'on avait en copiant les textes. Et donc, le premier manuscrit, bon, il y a toute une logique, mais disons, le premier grand livre européen, comme disait Henri-Jean Martin, qu'il donne, c'est la Bible. Cette Bible est publiée à 200 exemplaires, dont on conserve encore dans les 150, c'est assez remarquable. Et elle a la forme d'un manuscrit. Et d'ailleurs, comme ça arrive très souvent avec les nouvelles techniques, ces techniques ne disposent pas du vocabulaire spécialisé qui permet de décrire les machines ou de dire même ce que c'est que cet objet qui est un livre imprimé. Donc il y a des périphrases pour dire c'est un livre fabriqué sans plume, etc. Enfin, et le vocabulaire apparaîtra, se mettra en place petit à petit. Mais que ce soit... Donc la première des choses, c'est l'objectif n'est pas du tout d'instituer ou de mettre en place une rupture, c'est au contraire une forme de continuité de produire des objets pour un marché qui existait déjà, c'est-à-dire les prélats, les clercs, le cas échéant, ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter un manuscrit, pourraient acheter une Bible imprimée qui était déjà quelque chose de relativement onéreux. Après, les choses changent à échéance d'une... Ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'innovation de procédé, c'est-à-dire l'invention d'un nouveau procédé qui permet de fabriquer des objets. Et après, les choses changent très profondément on est allé vers 1450. 1480, les choses changent très profondément. Et là, on invente un autre objet qui est réellement le livre imprimé, qui est un objet complètement différent, qui va devenir complètement différent du manuscrit et qui va ouvrir à un marché qui n'est plus du tout, alors, qui est aussi beaucoup plus large que le marché traditionnel qui était celui des livres de la fin du Moyen-Âge. Et que ça soit une... Bon, on a employé des termes que je ne peux pas les critiquer trop parce que c'est une de mes formules, mais ils sont parfaitement critiquables. Mais c'est la première révolution du livre, c'est celle de Gutenberg. Et la démonstration est prouvée par le simple fait qu'entre 1452 et 1500, on publie plus de 30 000 éditions. Alors, on ne connaît pas les chiffres de tirage, mais si on admet même un tirage à 500 exemplaires, ça veut dire que
en moyenne, vous avez des dizaines de milliers, de millions, pardon, d'objets livres qui sont diffusés à travers l'Europe, et notamment l'Europe occidentale, en une cinquantaine d'années. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit. En fait, c'est une sorte de choc des médias, une sorte de choc. La société a été confrontée à un phénomène nouveau qu'elle a appris à gérer. Les phénomènes de ce type-là, on est en plein dedans aujourd'hui. Est-ce que tout un chacun, par exemple, en 1510 ou 1520, va pouvoir lire tout ce qui est disponible sur le marché? Est-ce que tout un chacun va pouvoir publier sans contrôle tout ce qu'il a envie de publier, etc. Vous allez protéger votre investissement? Vous avez investi pour faire une édition, surtout par exemple dans les pays comme le Saint-Empire. Un collègue à 100 km vous barbote un de vos exemplaires et le reproduit sans du tout avoir les mêmes frais que vous, évidemment. Comment vous protégez votre investissement? Comment vous mettez en place des droits de toutes sortes? Comment vous rétribuez, le cas échéant, ceux qui vous donnent les textes? Enfin, toute une quantité de problèmes qui se posaient pas du tout dans les mêmes termes antérieurement et qui se posent un peu dans d'autres termes, mais qui sont comparables d'une certaine manière aujourd'hui avec les nouveaux médias. Oui, cette première révolution, elle ouvre de nouveaux marchés et elle instaure de nouveaux rapports. Est-ce que de nouveaux métiers se créent également? Tous ces métiers, aucun de ces métiers n'existait. Ce qui se crée d'abord, c'est les typographes, c'est-à-dire les imprimeurs. Ce qui va se créer progressivement, mais à partir de la fin du 15e, début 16e, c'est les libraires de détail, c'est-à-dire des gens qui vont diffuser ce qui est paru plus ou moins récemment. Troisième branche, c'est celle des éditeurs qui posent d'autres problèmes. Le premier libraire, c'est... Libraire de détail? Oui. Oh, je ne saurais pas m'avancer. C'est 17e siècle? Ah non, vous êtes bien trop tard, c'est 1490. 15e siècle, le premier début, libraire. En tout cas, on a des exemples pour certaines villes. Mais bon, les manières de travailler sont, le cas échéant, complètement différentes. Par exemple, en Allemagne, ça fonctionne autrement. Mais... dans certaines villes, on a bien connu, on a des libraires de détail vers 1510, 1520, des détaillants qui feront le cas échéant autre chose en même temps, mais enfin, qui sont là. La première librairie de détail, c'est quand même celle qui est représentée en 1500 précisément dans la danse macabre des imprimeurs, publiée par Mathias Huss à Lyon en 1500. C'est la première image d'une librairie. La seconde révolution du livre, c'est entre 1760 et 1914. Donc là, c'est mon point de vue. Pourquoi une deuxième révolution? Est-ce que c'est également lié à une plus grande diffusion du livre, comme vous l'expliquez pour la première, où il y a un changement culturel, politique qui s'y adjoint, qui est un petit peu plus important? Il y a une diffusion de plus en plus grande de l'imprimé au 18e, avec notamment la montée en puissance, non pas des livres certes, mais de ce que j'ai mis tout à l'heure sous l'appellation de livre, c'est-à-dire les périodiques. La presse périodique commence en Angleterre et va se diffuser sur le continent de manière de plus en plus rapide au 18e, on pourrait chercher des chiffres, ça n'a pas grande importance, mais ça suppose aussi, si vous voulez, toute une restructuration de l'espace. À partir du moment où vous diffusez un périodique, par exemple tous les mois ou tous les 15 jours, il faut pouvoir le transporter, il faut pouvoir recevoir les paiements, etc. Ça veut dire qu'il y a une forme de révolution des communications par derrière. Mais on a une poussée tout à fait nette de la demande et l'inquiétude qui monte de savoir comment on peut y répondre. Alors, les choses changent à partir en effet de la décennie 1760. On a différents indices qui montrent que les acteurs, au fond, les institutions se déplacent, les systèmes, les pratiques se déplacent, etc. Mais un indicateur très net de l'inquiétude, c'est le fait que le papier a été fabriqué avec des chiffons. Or, les chiffons, c'est des vieux vêtements et qu'on
qu'on réduit en bouillie, en quelque sorte, avec laquelle on fait de la pâte à papier. On n'est pas du tout dans une économie où, quand vous avez un trou à votre chemise, vous l'achetez et vous en achetez une autre. Ça ne fonctionne pas comme ça, on ravaude, etc. Donc, avoir des quantités de chiffons, c'est problématique. Il y a la chasse aux chiffons, et puis, en fait, on cherche, dans les années 1770-1780, de nouveaux supports qui soient susceptibles de remplacer celui dont on pense que on ne pourra pas on n'aura pas en quantité suffisante. Et la grande mutation se fait en deux temps. Le premier temps, c'est la Révolution française. La Révolution française prône que chacun aura accès à un certain type de texte, etc., et que ces textes circuleront librement, enfin, la Déclaration des droits de l'homme dit un certain nombre de choses. C'est la théorie. Elle met en place, au fond, les conditions d'un marché supposé de masse qui n'existera pas dans l'immédiat, mais les conditions sont mises en place par les politiques des années 1789 et suivantes. Et puis ensuite, c'est la révolution, industrielle elle-même en un certain nombre de phases successives à partir même des années 1810. Et avant la Révolution française, il y a un livre qui fait beaucoup parler de lui, qui a un impact dans les esprits, pour les nations, assez considérable, c'est l'Encyclopédie, qui est le best-seller de l'époque. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit vraiment, ce livre ? Parce que ça soit un best-seller, c'est exact. Ce qui est très frappant, l'Encyclopédie a été publiée d'abord en une grande collection in folio, ça a pris un certain temps, mais surtout ça coûtait une somme relativement importante. Donc tout un chacun c'était réservé à ceux qui pouvaient se l'offrir, en quelque sorte. Et puis ça s'est énormément diffusé, énormément. Toutes choses égales d'ailleurs, on est sous l'Ancien Régime, parce qu'il y a eu des quantités d'éditions in quarto, donc de plus petits formats, qui ont été faites non pas en France, mais dans des villes qu'on appelle les villes périphériques, où on travaillait, en général des villes dans des espaces francophones, dans lesquels on pouvait imprimer à l'écart, à l'abri de la censure royale et des dispositifs, disons, de protection du royaume. Et la plupart des encyclopédies qui ont été diffusées à ce moment-là l'ont été sous forme in quarto et sous forme de contrefaçon. Alors, bon, c'est un best-seller et c'est aussi un joli coup d'une belle opération de marché. Il est évident qu'au XVIIIe siècle, un des éléments qui monte en puissance, c'est c'est la figure du grand auteur. Le grand auteur s'impose. Les nôtres, bien sûr, c'est Voltaire, Rousseau, Diderot, et puis le personnage assez fascinant de Beaumarchais, qui est engagé dans un certain nombre d'opérations de librairie de tout premier plan. Mais l'encyclopédie est devenue un objet, pratiquement on dirait aujourd'hui, c'est pas très beau, mais c'est un objet emblématique. Je connais une ville de France, sur la vallée de la Saône, dans laquelle l'administration municipale, en quelque sorte, a acheté l'encyclopédie pour les gens de les citadins, disons, pour ses administrés. Et cette encyclopédie a été mise à disposition des administrés en l'attachant, en l'enchaînant avec une tringle et un système de cadenas, de telle sorte que chacun pouvait venir et lire ce qu'il avait besoin, envie de lire. C'est dire combien on considérait que c'était un objet qui était susceptible de diffuser, alors ce dont on parlait tout à l'heure, la raison, le progrès et une certaine forme d'humanité. Est-ce qu'on peut dire réellement que l'encyclopédie a diffusé les idées des Lumières ? C'est un abus de langage. Non, ça peut être un abus de langage, parce que, bien sûr, mais certainement elle les a diffusées, c'est vrai, mais très vite l'encyclopédie a eu aussi des concurrences. La plus célèbre est celle du grand livre, d'un très personnage assez fascinant aussi, qui est peut-être le prototype du grand éditeur en France, c'est Charles-Joseph Pankouk. Et Charles-Joseph Pankouk, à la fin de l'Ancien Régime, lance une autre encyclopédie. Parce que l'encyclopédie Diderot et d'Alembert a cette propriété d'être classée alphabétiquement, ce qui ne correspond pas à un modèle d'encyclopédie. En fait, c'est un dictionnaire encyclopédique classé alphabétiquement. Et parfois, c'est pas très commode de retrouver
au fil de l'alphabet tous les articles qui peuvent se rapporter à un certain problème qui vous intéresse. Tandis que l'idée de Pankouk, c'était de faire la même, de donner une encyclopédie, mais classée, organisée systématiquement selon les, comme ce que je disais tout à l'heure à propos des bibliothèques, selon les grandes classes de la connaissance. Et c'est ce qu'on appelait l'encyclopédie méthodique de Pankouk. Il s'est lancé un peu avant la Révolution, et malheureusement pour lui, évidemment, la Révolution a compliqué beaucoup les choses, et ça a été terminé enfin des dizaines d'années plus tard. Mais c'est une encyclopédie qui a eu aussi pas mal de succès, qu'on trouve assez couramment. Le problème étant que souvent les collections ne sont pas complètes, parce que comme la publication s'est étendue sur peut-être plus d'une génération, les gens n'ont pas suivi toujours, pour toutes sortes de raisons. Alors, votre titre m'a un petit peu interpellé. Dans votre ouvrage, vous parlez des questions de nationalité et des liens avec le livre. L'invention de la librairie industrielle de masse, vous dites, suppose que se constitue pour la chose imprimée un marché potentiel tendant à devenir un marché de masse. Donc, le livre, il répond à des questionnements philosophiques, des questionnements sociologiques, il accompagne la société. Comment vous expliquez ça pour le 19e siècle notamment ? Il y a des problèmes considérables qui se posent dans votre question. D'abord, c'est l'évolution démographique. Ensuite, le fait que c'est la révolution de l'urbanisation, l'exode rural qui va, selon des chronologies différentes, mais qui va apparaître et se développer. Et puis, c'est la révolution industrielle de la librairie qui fait que, par exemple, en France, à partir des années, même 1830, à partir de la monarchie de Juillet, le prix du livre va tendre à diminuer. C'est-à-dire que vous aurez pour un prix, le même prix, une quantité supérieure de textes. On vous fournira plus de matériaux à lire. Alors, le prix diminue. Et en même temps, le cas échéant, qu'on voit très clairement en Allemagne, le revenu moyen peut augmenter. Et par conséquent, vous avez toute une structure différente des consommations qui va se mettre en place, dans laquelle les livres et l'objet imprimé va jouer un rôle, le cas échéant, non négligeable. C'est la grande époque, par exemple, du feuilleton de librairie, le feuilleton donné d'abord dans la presse périodique et puis après repris dans l'édition proprement dite, et qui va, à la fin du siècle quand même, vous avez des tirages de l'ordre de 200 000 exemplaires, des centaines de milliers d'exemplaires chez les grands éditeurs parisiens. Donc, on a vraiment, à un moment donné, on change là à nouveau d'échelle. D'ailleurs, les machines ne sont pas les mêmes. C'est au 19e que le livre est à la portée de tout le monde. Peut-être pas de tout le monde, mais en tout cas, l'équilibre s'est complètement modifié à un moment donné. Ça ne veut pas dire que les gens l'achètent. Ça ne veut pas dire non plus qu'on a les moyens. Quand on étudie, ce qui est toujours très difficile, mais on a des éléments. Vous étudiez la structure des budgets des ménages. Vous voyez ce que les gens achètent selon leur niveau de connaissance, selon leur revenu, etc. C'est pas du tout comparable ce qu'achètera un riche propriétaire terrien dans la campagne, et puis un instituteur qui gagne 10 fois moins, mais qui investira davantage dans les livres, etc. Ou dans la culture, disons, imprimée, il y a des différences considérables. Donc, globalement, oui, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Je ne sais pas si on voit toujours, quand on se promène à travers la France, il me semble que ça a tendu à disparaître parce que les gens ont fait ravaler leur façade. Mais il y a encore quelques décennies, on voyait couramment dans les villes de province, le long des routes, la publicité du Petit Parisien. Le Petit Parisien, avec des chiffres de tirage absolument phénoménaux. Vous aviez à Paris plusieurs titres qui, avant la Première Guerre mondiale, tiraient chacun à plus d'un million, tous les jours. Ça n'existe plus. Les plus grands journaux, les quotidiens français, il n'y en a pas un qui tire à un million. Donc, le 19e a certainement marqué un nouveau changement d'échelle. Alors, j'ai appelé ça aussi la seconde révolution du livre, ce dont on peut discuter. Dans l'idée qu'on arriverait dans la troisième, qui est celle dans laquelle on est plongé depuis un certain temps.
On va y venir à cette troisième révolution. Et avant, j'aimerais que vous me disiez quelques mots sur cette époque du début du XXe siècle où le livre est important et le livre est très utilisé par les instituteurs. Il y a des grands débats à l'Assemblée sur le livre et notamment le livre d'histoire. Et on peut lire dans le journal officiel de très longs discours qui débattent sur des chapitres et des paragraphes de livres d'histoire d'élèves de CM1. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre d'anecdote ? On discute toujours sur le contenu de l'enseignement de l'histoire. Ça m'inspire surtout l'idée que ce sont des problèmes dont on ne devrait pas nécessairement discuter dans les assemblées du type des chambres des députés, parce que, la direction de la recherche doit rester absolument libre. Alors après, ce qu'on met dans les manuels, c'est un autre problème. Disons que à l'époque dont vous parlez, la République, telle qu'on l'a, la République en France, les historiens y tenaient au XIXe siècle une place relativement importante à un certain niveau. Victor Duruy, par exemple, sous le Second Empire, etc. Même Lavis ou d'autres. Plus tard. Donc, le statut n'était pas exactement le même que ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, il est certain, en tout cas en France, que le manuel scolaire, c'est le premier domaine, le premier champ qui a permis l'industrialisation. Le propre de l'espace de la France du 19e, c'est que la population n'était pas très dense, c'est un espace en grande partie rural, et qu'il n'y a pas un marché de masse a priori, sauf à Paris, le cas échéant. Et le marché de masse, il est construit à partir du moment où, sous le marché de Juillet d'ailleurs d'abord, on décide que la scolarité ou la scolarisation sera universelle. À ce moment-là, il faut fournir des manuels, et à ce moment-là, c'est évidemment une sorte de manne pour un certain nombre de maisons, nécessairement parisiennes d'ailleurs, parce qu'il faut être près du ministère pour avoir les contrats. Donc, ça a un contenu, une dimension économique et financière considérable. Et le livre entre dans une troisième ère, c'est un peu pour reprendre vos mots, vous parlez de troisième révolution. Oui. Qu'est-ce qui change entre l'industrialisation du 19e et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour le livre? Il s'est passé quand même énormément de choses. Mais j'insiste simplement tout de suite sur un premier point, c'est que vous voyez qu'on est en 2020 et que les premiers ordinateurs, on a commencé à travailler avec des ordinateurs. Moi, j'ai commencé pratiquement en 1900, il y a 40 ans, pour écrire ma thèse d'État. C'était vraiment le début des ordinateurs. Ça veut dire que vous avez déjà des phénomènes qui se sont étendus sur plus d'une génération. Alors on dit toujours c'est nouveau, mais il y a un moment où les choses sont, disons, moins nouvelles ou deviennent moins nouvelles, ou leur origine devient plus lointaine, mais peu importe. Donc il y a toujours des délais considérables. Et la deuxième chose relève aussi de ce que j'ai de ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du 15e siècle. Ce qu'on a pu observer, que j'ai d'ailleurs décrit dans un autre livre, avec les nouveaux médias, m'a fait directement penser à ce qui s'est produit au 15e siècle. Tout à l'heure, on parlait des conditions juridiques et autres dans lesquelles les choses se mettent en place, sociologiques et autres. Mais c'est très frappant de voir aussi que dans les années 1980, à partir des années 1980, on met en place, on voit apparaître de nouvelles machines. C'est bien l'innovation de procédés, et que ce n'est que très progressivement qu'on se pose la question, et alors on fabrique de nouveaux supports, de nouveaux contenus et de nouveaux usages possibles pour les différents types de textes. On a donc une sorte de trajectoire qui fait penser à celle de l'époque de Gutenberg. L'innovation de produits dans laquelle nous sommes toujours plongés est
disons, postérieure de plusieurs décennies à l'innovation de procédés. Alors maintenant, ce qui change, mon Dieu, il y a tellement de possibilités, mais puisque nous sommes à l'époque du confinement, la première chose qui change, c'est qu'on peut assez facilement, mais pas toujours, et les historiens du livre probablement moins que les autres parce qu'ils ont besoin des objets, mais on peut assez facilement avoir accès aux textes de chez soi. Et que ça change profondément les conditions du travail intellectuel tel qu'on l'a connu jusque, disons, précédemment. Autre chose, c'est aussi une chose à laquelle on n'est pas toujours sensible, c'est le fait que, certes, vous pouvez lire des romans sur des écrans avec des machines, dont j'ai quelques exemples ici, mais le livre, comme on peut le montrer assez facilement et de manière plaisante, le contenu change. C'est-à-dire, ce que vous lisez, c'est pas la même chose selon le support. Et même dans les imprimés, vous voyez bien que c'est pas la même chose. Quand vous prenez des textes qui sont censés ne pas bouger, par exemple le texte de la Bible, et vous alignez des Bibles sur une table depuis, mettons, depuis les années 1500 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien que pratiquement, il y a quand même des différences assez notables dans l'usage qu'on peut faire des livres que vous avez sous les yeux. Donc les objets ne sont pas les mêmes, et les choses qu'on peut faire avec, l'appropriation des textes, la manière dont on peut lire, dont on peut appréhender ce qui est contenu, c'est pas du tout la même chose. Donc, y a là des changements. On a du mal quand même à repérer. Et puis il y a une chose sur laquelle on discute beaucoup, mais qui est en dehors de mes compétences, c'est le fait que nous avons vécu sur la logique alphabétique et sur la logique qui était celle, et le sommet de la logique alphabétique, à la limite, c'est le livre imprimé tel qu'on l'a connu. Et en réalité, en ce moment, cette logique alphabétique linéaire est en train d'être déconstruite, alors il faut en construire une autre. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est probablement un état de fait. On construira une autre logique. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit, enfin, parfaitement possible qu'elle soit intéressante et riche, mais il faut aussi être très attentif au fait que les livres ont permis une certaine, égalité dans la diffusion des savoirs, des connaissances, des pratiques culturelles, etc. Et qu'aujourd'hui, avec les nouveaux médias, il faut peut-être être aussi sensible à ce type de problématique qu'il faut diffuser des choses à peu près cohérentes. On parle beaucoup de fausses nouvelles, fake news, etc. Il faut maîtriser ces contenus et la manière dont on les diffuse et dont on est susceptible de les utiliser. Alors, nous sommes en plein dans ces problématiques, là, c'est peu de le dire. Merci beaucoup, Frédéric Barbier. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « Histoire du livre en Occident » et vous revenez sur toutes les problématiques qu'on a évoquées. D'où vient le livre, pour qui, comment et quelles sont les grandes phases de transformation du livre. Votre livre vient de sortir chez Armand Collin, aux éditions Armand Collin, à l'automne dernier. Je vous conseille, chers auditeurs, de le parcourir et la couverture est absolument fascinante. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Nos Mémoires.